Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec les Timurides en guerre pour la deuxième fois, je crois. Enfin, ouais, deuxième fois avec l'Andalousie. J'ai été en guerre pas mal avec ce qui était Tunis avant. Mais je crois qu'avec l'Andalousie, c'est la deuxième fois seulement. J'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Le seul problème que je pourrais rencontrer, c'est la surexpansion. Et il va falloir être patient. Ça va prendre du temps de convertir tous ces territoires maliens. Alors, le premier siège va être rapide avec un leader qui a 4 en siège. Je dois dire que ça aide. Donc ça va gérer déjà. Première révolte. Je pense qu'on va en avoir pas mal des révoltes. J'aurais dû laisser du monde ici. Je crois qu'on va laisser du monde ici. On va pas avoir besoin d'autant de troupes que ça sur l'Andalousie. Je vais ramener 80 000 hommes, ça suffira bien assez. J'ai pris beaucoup de territoires maliens. Bon, c'était que du petit territoire évidemment, mais il faut, si je veux réussir mon objectif, enfin je dis ça, mais je suis sûr que je ne les réussirai pas maintenant. Malheureusement. Unifier, donc je dis unifier l'islam, mais c'est même. Est-ce que c'est unifier les sunnites ou. J'avoue que je sais même pas. Je sais pas où il est, ça au fait. Il est où ça au fait, sérieux? C'est quoi ça? Au moins 30 États doivent être prospères. Âge du chef d'État au moins 70 ans. Ouais, ça me paraît pas trop compliqué ça. Unifier l'islam. Ah, le modificateur islam unifié. Ah, mais alors ceci dit, le modificateur islam unifié, c'est juste ça en fait. Ça par contre, c'est pas compliqué honnêtement. Le seul problème, c'est qu'il faut que toutes les provinces possédées appartiennent à la famille religieuse musulmane. Ça, c'est un problème. Peut-être pas vraiment d'ailleurs. On va faire ça au fait. Honnêtement, il faut que je prenne Constantinople, ça c'est un problème. Il faut que je prenne Naples, ça devrait pas être un problème. On verra la liste tout à l'heure, mais je l'ai déjà regardé une fois, mais honnêtement. C'est pas unifier, c'est pas conquérir tous les territoires sunnites, en fait, je me suis un peu gouré sur ce coup-là. Et honnêtement, je devrais pouvoir y arriver. Naples, ils ont toujours pas d'alliés, donc. Ça va être vite fait. Et je crois qu'il y a Messine et Palerme. Donc déjà, ça fait deux de plus. Messine. Et après, il y a Cordoba. Alors, Cordoba, ça va peut-être poser un problème. Oui, Cordoba, ça va peut-être poser un problème. Ça, c'est bien pourri comme objectif. Ouais. On verra. Mais c'est peut-être le problème, le plus gros problème. Parce que Constantinople, honnêtement, ça va passer comme une lettre à la poste. Peut-être même dès la prochaine guerre. On n'est plus si loin que ça, hein. On est à 1, 2, 3, 4 provinces de Constantinople. Faudrait pas que la République des Deux Nations la prenne pour elle, par contre. Mais je pourrais le donner à Théodoros. Je pourrais donner Constantinople à Théodoros. Ce serait assez comique. Ce petit pays. Bien inoffensif en apparence, aurait une des plus grosses villes du jeu. Surtout que c'est la capitale des Ottomans depuis tellement longtemps qu'ils ont dû la faire grossir. 51. J'ai envie de le donner à Théodoros juste pour le fun. On verra. Théodoros, j'espère qu'ils ont réussi à convertir toute leur province. Ouais, sans problème, ils l'ont fait. Donc en fait, il faut quand même qu'on se rapproche de l'Espagne, donc cette guerre a un vrai intérêt, bon, ça c'est bien. Malheureusement, cette décision, on va pas pouvoir la laisser tomber avant 6 ans. J'étais trop rapide là, sérieux.
Ah, Timouride, ça c'est impressionnant. Je crois que j'ai battu en taille la Russie. J'avais dit que je serais jamais plus grand que la Russie. Faudrait que je compare. Et à mon avis, quand j'aurais pris quelques petits territoires ottomans là, plus quelques territoires andalous, on a peut-être moyen de décrire Timouride en beaucoup plus gros en fait. On verra ça. C'est pas l'objectif numéro 1 non plus, mais c'est assez fun, je dois dire. Je m'étais déjà amusé à ça avec. Alors là, il y a leur capitale en fait. J'avais pas réalisé ça. Merde, 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 faut pas qu'il m'échappe. Je vais pas détruire leur armée, c'est pas assez rapide. Si, 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 c'est assez rapide. J'avais quelques doutes, mais c'était assez rapide. Ah oui, c'est Tunis, j'avais pas vu, mais c'est bel et bien là leur capitale. Là, on va prendre le plus 3 en siège. Théodoros est revenu à 100% de haine envers moi. Why? On va améliorer nos relations avec eux. Je comprends pas pourquoi ils m'aiment pas. C'est parti. Donc le siège de la capitale, il va être assez rapide. Il faut que je construise quelques bâtiments là. Alors 51, je fais pas le calcul, mais 51, je pense que c'est rentable encore. En dessous, je sais pas, faudra que je fasse le calcul. 86, ça c'est définitivement rentable. J'ai déjà tout dépensé, d'accord. Je pense que je vais ramener ma flotte en Méditerranée, du coup. Ça va être un voyage risqué. On va peut-être attendre de plus être en guerre contre l'Andalousie. Ils ont combien de navires? Ah non, ils sont complètement à la rue. Là, c'est bien parce qu'on va être pile en face de Naples, donc on pourra faire notre attaque. Je pense que ce sera peut-être pas notre prochaine guerre, mais presque. Alors ça, pourquoi pas? C'est quoi cette guerre encore? Je sais pas ce qu'ils foutent. Ok, donc le plus 4, je vais l'amener là. Ils ont 25 navires là, mais je. Ah si, c'est parce qu'ils ont beaucoup de navires de transport en fait. Bon, moi j'ai. Au bout du compte, j'ai quand même 72 navires. Sauf qu'il va falloir leur faire faire le tour du monde là. Je sais pas dans quel état ils vont arriver. J'espère qu'on va pas rencontrer trop de problèmes en cours de route. Hein. C'est bon, donc là on va se pousser pour pas avoir trop d'attrition non plus. On va laisser notre. Non, c'est pas le plus gros spécialiste en siège que j'ai. Le plus gros spécialiste, c'est celui-là, avec son petit 4 en siège là. Raté. Donc en fait, il va falloir que je convertisse beaucoup plus vite. Il faut que je gagne de la puissance de missionnaire. Pas des missionnaires en plus, mais de la puissance de missionnaire. Là, il faut que j'en ai un là. Il faut que j'ai un plus 3, plus 2, pardon. Ok. Ouais, malheureusement, c'est un plus 1. Pour l'instant, on va pas le prendre, mais je serais peut-être obligé de faire ça, hein, de prendre vraiment un minable.
Ok, c'est bon là. Toujours pas, sérieux. Je crois qu'on va bientôt signer la paix. On a tout ce qu'il nous faut. En fait, j'aimerais bien prendre toute la côte, donc je vais attendre de prendre cette province-là en plus. Et on va bien être en face de Naples. On pourra se faire un petit débarquement. Pas dégueulasse. Ok, on va attendre ça. Ah oui, mais non, on peut pas signer la paix. Oh, on va attendre d'avoir ça à zéro quand même. Je veux pas passer 3 mois avec genre 150 ou 160 de surexpansion, parce que ça c'est l'enfer. Hein. Je l'ai fait hein, dans de nombreux let's play. Vous vous en souvenez peut-être du bordel. Je hurlais à la mort parce que j'avais des révoltes tous les mois. Donc ça je ne le ferai pas. On va attendre que ce soit fait. Tiens, mes navires sont déjà là. Ça s'est bien passé hein, finalement. J'ai 31 transporteurs. Ça c'est pas cool. Je vais en garder un au cas où. Non, on s'en fout. Ouais, donc ça va être fini. Et là, on va pouvoir signer la paix. Je pense. Hein. Je vais pas regarder pour l'instant. Mais... Ça fait plaisir. Hein. Cette liste-là. Je sais pas combien il y avait de provinces, mais... Ah, c'est fatigant de cliquer. Peut-être que je vais attendre un mois de voir tout ça descendre. Voilà. Ça, c'est la vraie liste, entre guillemets. Alors, discutons. Donc, on discute de 65 points. Moi, je veux prendre la côte jusqu'en face de Naples. Et en fait, le plus loin possible, pour être le plus près possible de l'Espagne, en fait. Voilà. On va pas prendre d'argent, tant pis. Ou alors, on abandonne une province. Ouais, on va continuer un peu. Ceci dit, j'ai déjà leur capitale, donc je crois pas que je puisse vraiment progresser beaucoup. Bon, on va essayer. Pourquoi il vient faire un siège avec moi là, alors que il voit très clairement que ça n'apporte rien. Oh, j'ai eu de la chance, j'étais à 7%. Faut le dire parce que je râle souvent quand je loupe à 70%. Mais là, j'étais à 7%. Je le note. Allez, c'est bon. Il accepte même celle-là. On va pas aller plus loin. Un peu d'argent. Ok. Bon, ça, c'est parfait. Hein. Ça nous met à 50 de surexpansion. C'est pas énorme. C'est des provinces beaucoup plus riches quand même qu'au Mali. Oh, Tunis, c'était bien. Ça, on va le virer, j'en ai pas besoin. Alors, ce que je voulais faire, c'était revoir mon commerce en fait, et peut-être me baser ici. C'est un nœud qui est un peu plus, comment dire, terminal que Samarcand là. Samarcand. Pour ça, il faudrait que je change ma capitale de place. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'idéal, ce serait d'aller jusqu'à Constantinople. Au moins, ce que je pourrais faire, c'est collecter, parce que quand je vois, par exemple, que là, je transfère 4,40, en fait, ça fait mal, quoi. Ça sert à rien, ça. Et c'est pareil, celui-là, il transfère 4,40, quoi. C'est pas... Ça sert à rien. Ah, donc ça, c'est fini. Donc on va le transférer ici. Ok, donc on va, je pense, collecter ici. C'est bête de collecter dans ce qui n'est pas notre nœud classique, mais enfin bon. On n'est vraiment pas très fort en commerce pour l'instant. Et là, on va transférer de la puissance vers Alexandrie.
Ça, je pense que c'est pas mal parce qu'on a pas mal de puissance ici. Donc là, on va transférer par là. Et on va voir combien ça va nous faire. Je pense que ça va être un peu mieux, honnêtement. Il faut attendre un mois. Donc on transfère 21. Là, le problème, c'est qu'il y en a 19 qui fuient, évidemment. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je suis déjà à 63. Et plus tard, je mettrai mes navires... je vais les mettre maintenant, d'ailleurs. Là, je vais mettre mes navires marchands ici. Sur Alexandrie. Je pense que c'est pas mal. Ah, j'ai oublié des galères, là. Ok. Donc ça, ça devait appartenir à LHA, donc on va supprimer. Eux, on va leur faire la guerre. Il faut promettre des territoires à ces chiens, là, sinon ils viennent pas. On n'est qu'à moins 1, hein. Ils ont des dettes, c'est pour ça. Ils sont pas en guerre, hein, mais ils ont des dettes. Comme tout à l'heure, en fait, même problème. Bon, on va attendre. Donc on était à 63, on va voir à combien on va être là. 72, voilà. Je pense que j'ai amélioré la situation en fait. Je pense que c'est bien mieux. Alors, on va continuer. 34, 38, 32, c'est pas très intéressant. C'est là qu'on va avoir des choses intéressantes, je pense. Voilà, ça coûte, ça rapporte autant, sauf que ça coûte moitié moins cher. Ok. Cette doctrine va être difficile à terminer. Mon roi a 60 ans, je le félicite. Le prochain sera même mieux. En plus, il est doublement mieux parce qu'il est plus doué en administratif. Là, on va faire encore quelques tentatives. Bon, Bamani, honnêtement, je crois qu'on va pas trop s'y intéresser à partir de maintenant. Étant donné que j'ai repris espoir dans mon objectif, là, on va plutôt s'intéresser à ses cibles, Naples, Constantinople. Voilà le genre de cible que je vais chercher. Et bordel, il n'y a rien d'intéressant. Alors... Toujours pas. Ils sont toujours à moins 1. République des deux nations à 3000 de dettes. C'est sûr qu'à un moment, ça pose problème. 3000 de dettes. Je les comprends quelque part. Mais bon, on va surveiller, hein. Grosso modo, ils peuvent rembourser leurs dettes à n'importe quel moment, donc... Je crois que tous les mois, il va falloir que je regarde. En attendant, on va se préparer. Je vais laisser 30 000 hommes ici. 30 000 hommes ici. Les risques de révolte, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça. Chita, comment on dit déjà? Chita Gorgas, je suis bien à côté. Oula, c'est où ça? Je pense que c'est au Mali. Merde, comment ça s'écrit? J'ai halluciné, j'ai cru voir Mozi, mais bon, je sais pas, j'ai des hallucinations. Je devais pas regarder le bon. Ça, bon, j'ai déjà du monde sur place. Là, c'est bon, je vais avoir du monde sur place. Borgou. C'est bon, j'ai du monde. Bono. Bono, sérieux, comment ça s'écrit? Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça, pardon. Bonoman. C'est bon, j'ai du monde. Bon, je crois que j'ai à peu près couvert tout. On va pas y passer la journée.
un mort. Ah, puis là, il n'y a rien d'intéressant. Modif de la limite terrestre, ça me fait doucement rire. Je suis même pas à la moitié de ma limite, ça se trouve. Oui, je suis à la moitié de ma limite terrestre. Donc ça, ce serait un bonus qui me servirait à rien. Ok. On va revérifier. Défense d'effort. Bon, dans le genre bonus qui sert à rien, celui-là aussi, il est pas mal. Je vais le prendre, mais... Parce que, tout simplement parce que j'ai pas les moyens de faire autrement, là. Ouais, il faut que je gagne de la piété, pas que j'en perde. On est à 87. Ce qui m'inquiète, c'est par exemple ces deux-là. Il faut que je les convertisse. Pour l'instant, c'est pas fait. Hein. Stabilité positive. Ouais, il faudrait que j'ai 3 en stabilité. Ça peut se faire. Ouagadoudou. Donc c'est parti. On va en avoir un paquet de ces révoltes. Bon, j'ai des leaders somme toute assez performants. Je voulais voir un truc. Ça, je peux l'enlever en quelle année? En 38, dans 4 ans encore. Voilà, donc ça, c'était la première. Je vais en avoir beaucoup, je pense. Ouais. Donc ça, c'est plutôt en Inde, il me semble. C'est bien s'ils alternent. J'aurai le temps de recouvrer mes... effectifs. Je pense que je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Pourquoi Théodoros me déteste autant, quoi? J'ai pas compris là. Ah, il y en a deux qui les soutiennent dans leur indépendance. Faudrait que je les fasse. Comment je peux changer ça? Ah, ils sont liés avec l'Autriche. J'espère que ça va pas poser un problème de faire la guerre aux Ottomans. Il y en a peut-être qui en profiteraient pour me poignarder. Ah, ils ont remboursé des dettes, là. Mais tout d'un coup, j'ai peur. J'étais super confiant. Mais tout d'un coup, je viens de voir ça et je me dis qu'on pourrait me trahir. Enfin, me trahir, on pourrait profiter de ma guerre pour m'attaquer dans le dos. Et puis les Russes et les Ming en même temps. Ouais, je sais pas si c'est une bonne chose. Enfin, je sais que c'est une mauvaise chose, mais je veux dire, je sais pas si c'est... si ça a des chances d'arriver. Ouais, j'en sais rien. Les Russes, c'est 189 000 hommes. Les Ming, c'est 276 000 hommes. Alors, je suis passé en tête pour les troupes. Non, même pas. Les Ming ont plus de troupes que moi. Par contre, en réserve, c'est la folie totale. Je sais même pas pourquoi j'ai encore des mercenaires, quoi. Je pourrais économiser de l'argent. Ceci dit, j'en ai pas vraiment besoin. Ah, je sais pas quoi faire. Bon. On va sans doute attendre un peu... De toute façon, je vais déjà désactiver l'effort. Je peux pas mettre ma maintenance à zéro. Bon, je vais arrêter l'épisode parce que de toute façon, il fallait que je le fasse assez court. On va attendre que soit ce soit légitimé. Et on aura le temps à ce moment-là de prendre une décision. Pour l'instant, je vais vous laisser et vous donner bien sûr rendez-vous comme d'habitude demain pour la suite de ce Let's Play.